1935, qui succède justement au Transat que nous revoyons à l'image. Ce magnifique avion sera bientôt remplacé par l'Airbus A400. Oui, qui est très attendu dans les armées. Hein, parce que... Absolument. Cette Transat a près de 45 ans de vie opérationnelle. Il a vraiment contribué à porter les cocardes françaises partout dans le monde. Le CASA 235 est un appareil de fabrication espagnole. Il est de taille plus petite, mais il est déployé dans tous les DOM et COM. Maintenant, voici un dispositif de la sécurité civile, deux avions Dash 8, qui contribuent à la lutte contre les incendies. Ils sont basés à Marignane, à côté des Canadair, des célèbres trackers. Et si nous avons la chance d'aller voir aujourd'hui, ça signifie qu'il n'y a pas trop d'incendies dans le sud de la France. Voici maintenant à nouveau le CASA 635 de chasse, puis Mirage F1 et Mirage 2000. Nous accueillons régulièrement des aides de pilotes étrangers, et notamment à Cazaux cette année, et bien le commandant de l'école sur Alpha Jet est un pilote belge, un lieutenant-colonel de l'armée belge. Pour concrétiser le fait que ce sont les X, les Extra 330 de l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui défilent sur le dos. Et ça, c'est une première mondiale, en tout cas en France. Ces pilotes sont des experts, champions du monde. À l'envers. Extraordinaire, absolument. Champion de France, le capitaine Levaux, j'ai eu le plaisir de lui remettre sa médaille il y a une quinzaine de jours à Dijon-d'Arrois. Et le prix Renault-Écal. Renault-Écal.